quasiment l'ensemble des syndicats d'Air France qui appellent aujourd'hui à cette journée de mobilisation. Vous avez tous suivi à grands coups de renfort de médias ce qui s'est passé à Roissy la dernière fois. On a décidé, nous, de venir interpeller les pouvoirs publics, le pouvoir politique. Il parle de violence. Eh bien, on est d'accord pour en parler de la violence. Nous, on parle de la violence sociale, celle qui consiste à supprimer des emplois, à envoyer des milliers de salariés au chômage. Et le chômage, on sait ce que ça veut dire. Ce sont des vies brisées, des familles déchirées, des morts parfois. Eh bien, parlons-en de la violence, mais de celle-là, et uniquement de celle-là. Voilà notre message. Mais c'est nous aujourd'hui, ça a été les marins hier, ce sera d'autres professions et elles sont nombreuses. À mon avis, on a vu les métallurgistes, on a vu les pneus, c'est pas fini malheureusement. C'est pas un problème salarial, c'est un problème structurel, le problème d'Air France. On veut que le gouvernement et nos députés prennent leurs responsabilités et écoutent les gens. Ils écoutent, parce que malheureusement, beaucoup de nos hommes politiques ne sont jamais allés dans une industrie, n'ont jamais travaillé dans une industrie. Donc c'est facile de pouvoir dire depuis une Assemblée nationale ou depuis un bureau de ministre, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Mais il faut regarder ce qui se passe sur le terrain et dans les entreprises. Je voudrais vous dire merci, tout simplement vous dire merci. Il y en a qui nous ont remerciés. C'est pas dans ce sens-là que ça marche. C'est à vous et à vous qu'on dit merci pour ce que vous avez fait et ce que vous continuez à faire. Aujourd'hui, en vous mobilisant contre les suppressions d'emplois et contre les perspectives de licenciement. Nous avons accepté des gels de salaire, nous avons augmenté nos cadences, nous avons accéléré nos vols. Et en fait, tout ça au détriment finalement d'une fatigue physique. Et en fait, on est en train d'assister à une low-costisation de la société. Et les salariés ne sont plus qu'une ressource au même titre que le pétrole et les pièces détachées. Et il n'y a plus aucune valeur pour le salarié, quoi. Les salariés ont fait des efforts gigantesques ces dernières années. Et qu'il n'est pas question aujourd'hui de nous demander, alors qu'on a signé des accords de compétitivité il n'y a pas moins de 3 ans, de demander une nouvelle fois de nous demander des efforts. Ça n'est plus possible. Les salariés n'en peuvent plus. C'est au gouvernement aujourd'hui de prendre ses responsabilités. Alors comment ils doivent les prendre? Le gouvernement, c'est au niveau européen, c'est harmoniser fiscalement et socialement les taxes, faire en sorte qu'on puisse s'en sortir et qu'on ne soit pas en permanence taxé. Parce que finalement, on s'aperçoit que les efforts qu'on fait, eh bien, ça ne sert à rien. Je sais ce que sont en train de subir les CIF. Je sais pourquoi on s'en est sorti au maximum, c'est parce qu'on a eu du soutien. Air France, et même au niveau national, on doit soutenir ces héros. On doit leur dire merci. Le mot c'est merci. Ne pas accepter d'autres mots que cela. Ces gens-là l'ont fait pour vous. Et moi je reste persuadé d'une chose, que s'ils ne l'avaient pas fait, quelle que soit l'issue de votre conflit, quelle que soit l'issue, de toute façon ça aurait été pire s'ils ne l'avaient pas fait. Aujourd'hui les principaux politiques, responsables politiques, traînent un casier judiciaire. Voilà, mais on ne va jamais les cueillir chez eux, c'est tranquille pour eux, ils ont leurs avocats, etc. Non, nous, on est des salariés qui travaillons, on n'a que ça pour protéger notre vie, pour gagner notre vie, pour vivre. Il faut que ce gouvernement comprenne que plus il ira dans ce sens-là, plus la colère va se développer. Que ce soit le personnel navigant commercial, le personnel navigant technique ou le personnel sol, on a tous fait des efforts à tous les niveaux. Et aujourd'hui, on est tous ensemble pour encore dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé. On est d'accord pour restructurer l'entreprise, mais pas à n'importe quelle condition.